C'est vrai que le journal intime, au départ, c'est secret, c'est ce qu'on garde. C'est vrai que ça pose la question de qu'est-ce qu'on montre, du privé, du public. Il y a aussi un besoin, j'ai l'impression, de communiquer quelque chose de son intimité, parce que finalement, on s'aperçoit que l'intimité de chacun, c'est aussi sa propre intimité, ça peut aussi être l'intimité de l'autre, et que du coup, c'est aussi un moyen de communiquer avec l'autre sur des choses finalement qui sont communes. Et ce qu'on vit de manière très intime, finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls et que c'est peut-être aussi finalement quelque chose à partager. Souvent, c'est un film. Ça rassure pas forcément, mais. Dans la démarche du journal intime, au tout départ, c'est. Souvent, on filme, mais on ne veut pas forcément montrer. Après, c'est peut-être un deuxième mouvement. C'est peut-être pas forcément tout de suite. Ça rassure pas forcément, mais on se retrouve. On se retrouve dans certains films. Après, chacun se retrouve dans le questionnement de. Parce que le journal intime, il y a énormément aussi de. Il y a le film de famille, le film de voyage, l'introspection. On a un film qui s'appelle Introspection de Richard Beaune. Les questionnements vraiment très intimes, très personnels sur le corps. Mais tout ça, on s'y retrouve. Enfin, je pense que chacun s'y retrouve à un moment donné. Rassurant, je ne sais pas. Ça rassure d'une certaine manière, mais ça pose aussi des questions. Donc, ce n'est pas forcément tout le temps rassurant. Mais on se sent moins seul. J'ai réutilisé pour ce film des images privées, donc familiales, et j'ai essayé d'inventer une histoire à partir de ces images-là, et une histoire de fiction, donc d'utiliser tout code de narration et de cinéma possible applicable sur ces images de films de famille qui au départ sont censées ne pas l'être. Donc cette famille ne voulait pas se raconter spécialement au spectateur. Et voilà, j'ai inventé cette histoire qui m'était suggérée par les images, mais juste suggérée. Après, je suis allée beaucoup plus loin et j'ai inscrit ce processus dans le film même. Voilà. J'ai déployé tous les instruments que le cinéma pouvait me donner pour dire cela aux spectateurs, qu'en fait, c'était pas un journal intime parce que cette histoire, c'est moi-même qui l'ai inventée et moi, je suis la réalisatrice et c'est pas ma famille à moi. Voilà. Et comment tu as fait pour recréer une histoire à partir de toute cette matière? Enfin, l'idée, l'envie, comment elle est venue en fait de travailler sur ça, sur les rushs qui ne sont pas de ta famille? C'est ça qui est fou, quoi. Je me suis posée en tant que spectatrice de ces images comme première chose. Donc je les regardais tout simplement. Et puis ils m'ont suggéré des histoires possibles. Et c'est ça que j'ai raconté. Je n'ai jamais dit je t'aime en italien. Je pense à toi sous ce ciel bleu nuit, avec mes images en noir et blanc. Une étoile lointaine dont j'entends la musique, avant même d'en avoir vu la lumière. J'avais pris plein d'images que j'avais déjà faites et j'avais fait une espèce de déclaration amoureuse à une jeune femme qui je savais allait être là le jour J, le jour de la projection. Et c'était une façon de lui dire qu'elle me plaisait. Partager mon intimité avec vous, c'est aussi une espèce d'écho qu'il va y avoir dans la tête de certains autres spectateurs qui vont se dire j'ai vécu aussi la même chose, il y a des petites similitudes. C'est un peu parler des sentiments humains. Je
je ne suis pas gêné que mon film soit placé dans cette catégorie expérimentale, parce que de toute façon, dans la catégorie fiction, il n'aurait pas non plus vraiment sa place. Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises et j'ai un côté très narratif, mais pas suffisamment pour faire que mes courts-métrages soient comme un début, un milieu, une fin. Non, ce sont des petits moments de vie, en fait. Et donc, dans ce sens-là, oui, j'accepte que ce soit expérimental, puisque ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, pourquoi pas ça aussi. Et le journal filmé est aussi une expérience de soi-même avec soi-même, de soi-même avec le regard des autres, etc. Essayer de faire un petit puzzle comme ça, des moments de vie, et de le reconstituer, en fait, avec ce qui nous est donné dans la vie, de recréer notre propre univers à nous avec ces éléments-là, et de les mettre en forme peut-être un peu de façon idéale, comme est notre idéal dans la tête, quoi. Une façon de refaire le monde, bien sûr. Pour moi, le cinéma expérimental se définit en négatif du cinéma classique, dire par défaut. Il faut imaginer le champ du cinéma est très vaste. On peut faire des choses très différentes avec l'image, et que le cinéma auquel on est habitué, le cinéma narratif, n'est qu'une toute petite part de ce qu'on peut faire avec de l'image. Et donc, tout le reste, c'est-à-dire énormément de choses, c'est le cinéma expérimental. Le cinéma narratif a des codes très précis, que ce soit au niveau du texte, du jeu des comédiens, de la construction des films, de la construction des scénarios. Et en fait, le cinéma expérimental, simplement, il s'affranchit de toutes ces règles, et donc il expérimente toutes les autres formes. Le spectateur a parfois l'impression qu'il est difficile de comprendre un film expérimental. Et en fait, ça vient simplement du fait qu'à chaque fois qu'on est confronté à des images, notre cerveau essaye de le mettre dans des cases et de le comprendre selon les codes auxquels nous sommes habitués. C'est comme si on essayait de trouver une figure dans un tableau abstrait. Alors, si on regarde un tableau abstrait, on ne trouvera pas de figure. Donc le cinéma expérimental, c'est la même chose. Il faut le regarder avec un œil neuf. Et à la limite sans trop se poser de questions, parce qu'il est parfois plus simple que le cinéma classique, enfin le cinéma narratif qui lui est bourré de codes en fait. Mais on est tellement habitué à ces codes que une ellipse, un raccord, tout ça on l'a intégré. Et dans le cinéma expérimental souvent, il n'y a pas autant de codes et il faut simplement avoir un regard neuf sur le film et se laisser porter émotionnellement. Le film était fait en 6 jours, en fait. Voilà, on a eu 7 jours pour aller en Italie. Donc, qu'est-ce que mon œil a regardé, comment mon œil était pendant ces 6 jours dans ce pays, à ce moment donné de ma vie, avec la personne qui m'accompagnait à ce moment, avec les références cinématographiques de personnes qui ont déjà fait des voyages en Italie. Il y a un film de Rossellini qui... On ne peut pas faire un film sur un voyage en Italie sans penser à ce film. Donc, comment je l'intègre, comment il s'intègre à mon histoire personnelle, comment il s'intègre à l'histoire tout court.